faire une grave attaque psychotique. Gardez vos mains éloignées de sa bouche. Il pourrait se montrer très violent. Faites bien attention. Essayez de vous essayer. Bonjour, Blob. Comment te sens-tu aujourd'hui? Tu vas bien? T'as construit un petit nid douillet, hein? Je te laisse terminer ton œuvre. L'adieu aux armes, la maison de la mort, meurtre à la plage. J'ai lu tous mes bouquins. Bien, femme morveuse. Tu as caché mon portefeuille sous le plumard. Tu vas devoir me le rapporter presto. Tiens, Blob. Hey, tu veux manger? Ah, te voilà enfin. Je te tiens.
Tom, navré de vous déranger, mais j'ai presque terminé le dossier vénimien aujourd'hui. Je me demandais si... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Oh, voyons voir. Je crois que je vais vous proposer la documentation de l'Altoria 9. Génial, merci. Ah, Curtis, beau travail. Hé Tom, est-ce que vous savez pourquoi mon niveau d'autorisation est si bas? Je ne peux pas entrer à la cafétéria avec ma carte de sécurité. Vous blaguez? Non. Ce n'est pas possible. Je vais m'en occuper tout de suite, Curtis. Merci beaucoup. Tom, je suis vraiment navré d'être en retard. Ça va paraître vraiment stupide, mais mon rat m'a volé mon portefeuille. Eh bien, au moins, c'est original. Vous avez l'air crevé, Curtis. Vous allez bien? Oui, je vais bien. J'ai seulement... J'ai quelques difficultés pour dormir ces derniers temps. Si vous avez des problèmes importants, Curtis, j'espère que vous savez que vous pouvez m'en parler. Vous êtes un excellent collaborateur, et je vous aiderai si je peux. Merci. Fais peur, Curtis. Oh, tu n'as pas eu très peur de moi la nuit dernière, n'est-ce pas? La nuit dernière, c'était si... Je t'aime. Salut, chérie. Chut, tais-toi. Oh, Curtis, pourquoi? Pourquoi tous ces secrets? Tu aurais honte de moi ou de notre relation? Non, bien sûr que non, seulement... Je ne veux pas que tout le monde ici l'apprenne, c'est tout. Je veux te garder pour moi tout seul. On ira boire un pot après le travail, ok? Oui, ok. Merci pour ta carte postale. Curtis, je ne t'ai jamais envoyé ça. Je n'ai jamais vu cette carte postale. Vraiment? Ah, c'est... C'est sûrement une blague, en fait. Je suis sûr que c'est Trevor. C'est tout à fait son style. Oh. Joss. Oh. Tu te rappelles de la soirée de Noël de la boîte? Ah, oh, oui. Je me souviens bien de la fin de la soirée aussi. J'ignorais que tu avais cette photo. Ouais. Et je suis surprise que tu aies laissé quelqu'un nous photographier tous les deux en public comme ça. Hé, hey Joss, regarde ça. C'est un portrait de mes parents. Fais-moi voir. Oh, ton père a l'air plutôt sexy. Tu sais que tu ressembles beaucoup à ta maman. Oui. Thérèse, peux-tu remettre le dossier Sagawa dans le fichier informatique principal? Je vais en avoir besoin. Qu'est-ce que tu me donnes en échange?
Ne t'en fais pas, Curtis. Je viens de finir de le vérifier. Merci. Thérèse, je sais que tu aimes les stars du cinéma muet. Fais-moi voir. Thérèse. Hey. Oh. On dirait que quelqu'un est tombé amoureux de toi. Ouais, eh bien. Veux-tu que je t'avoue un secret? Quoi? Elle vient de moi. Bob, si tu as fini avec le dossier vénimien, tu pourrais me le prêter pendant une heure ou deux? Sûrement pas, ratonnet. Il ne te serait d'aucun secours. Nous savons tous les deux que c'est moi qui vais obtenir la super promotion, alors va te faire foutre. Merci, Bob. Comme d'habitude, ce fut un plaisir. Et Bob, tu vas amener la même fille à la réception de Noël cette année? Je suppose qu'elle va te faire une ristourne maintenant qu'elle a 60 ans. Va te faire voir! Ouais, dis donc, tu te renouvelles pas dans tes répliques. Merci pour la nuit dernière. Oh, merci, Monsieur Warner. Vous avez été génial. Hé hey. Oh, c'est toi, Curtis. Tu as été très bien, toi aussi. Hé, la pieuvre. Est-ce que tu as vu Frankenstein sur le câble hier soir? Malheureusement non, beau mec. Quoique j'adore Boris Karloff, j'étais bien trop occupé avec le merveilleux et extraordinaire Jay Bachman pour regarder la télé. Oh. Dans ce cas, je pense que tu n'auras pas le temps de regarder la version de Dracula avec Bela Lugosi qui passe ce soir très tard. Cruel dilemme. Peut-être que Jay et moi le regarderons ensemble. Rien ne vaut un film d'horreur quand il s'agit d'obtenir des câlins. Oh, à propos, et toi? As-tu trouvé une petite étudiante à protéger pendant que vous regarderez le film? Ou vas-tu passer la soirée comme d'habitude, en tête à tête avec ton divan? Petite bite, va te faire voir. Ici Tom Revell. Je ne suis pas à mon bureau pour l'instant, aussi laissez un message. Salut Tom, ici Curtis. Je vous appelais juste pour vous dire que le dossier vénimien sera prêt dans les délais impartis. Je vais le préparer et le poster. Ok, merci. Bonjour, c'est Thérèse. Thérèse, c'est Curtis. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peux-tu... Enfin, je me demandais si... Ça va te sembler vraiment ridicule, mais j'ai oublié pourquoi je t'appelais. Pas de problème, tu peux m'appeler quand tu veux, Curtis. Au revoir.
Warner. Monsieur, ici Curtis Craig. Curtis, comment allez-vous, mon garçon? Je vais très bien, monsieur, merci. Vous avez demandé à être informé quand la documentation budgétaire serait finie, et je l'ai mise sur la base de données du réseau, tard hier soir. Au travail, mon garçon. Au travail. Vous êtes un de nos meilleurs éléments, vous le savez. Je suis votre carrière de très près. Allô, Curtis Craig? Ici Ed McMahon. Vous venez de gagner 10 millions de dollars. Monsieur Craig, je vous en prie. Monsieur Craig, arrêtez! Vos hurlements deviennent hystériques. Ayez un peu de dignité, bon sang. Oh merde, j'ai changé mon mot de passe. Bon sang, qu'est-ce que c'était ? Salut, Trevor. Salut, bel homme. Quoi de neuf? Mon Dieu, qu'est-ce que tu as au visage? Et si je te disais que j'en sais rien? Merde, Trevor, j'ai l'impression de devenir fou. Curtis, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, quelqu'un t'a frappé à coups de poing? Je jure devant Dieu que j'étais assis à mon bureau. Et quelqu'un m'a frappé, mais il n'y avait personne. Ça a l'air dingue, hein. C'est juste totalement psychotique. Non, bien sûr que non. Non, et tu te rappelles quand j'avais la grippe et que je croyais que Dolly Parton se cachait dans le KGB avec une tronçonneuse? Probablement que c'est un virus, Kurt. Ouais, t'as raison. C'est sûrement ça. Hé, hey, Trevor. Ouais? Ton autorisation de sécurité est plus élevée que la mienne. As-tu déjà été dans les secteurs de haute sécurité? Certainement pas. Je ne veux pas y aller. Bon sang, c'est probable qu'ils élèvent des tonnes de hamsters dans la cave ou quelque chose de pire. Hé, hey, Trevor. Mm-hmm. Regarde ce qu'il y avait dans mon courrier. Oh. Eh bien, une personne a envie de tes petites fesses, des talons. Fiche-moi la paix. Ah. Seulement, aie pitié de cette pauvre fille quand tu la trouveras, Don Juan. Tu vas la pourrir pour tous les autres hommes si tu ne fais pas attention. Trevor, regarde ça. Tu te rappelles de cette splendide réception? Tu sais, c'est un grand flou de rhum blanc, de pop musique et de bouffe dégueulasse. C'est une bonne chose d'avoir un perpétuel exemple de sobriété comme ami. Ouais, c'est bien moi, la sobriété incarnée. Tu sais, il me semble me rappeler voir Bob dégueuler son fromage sur la piste de danse. Hey, Trevor, regarde ce que j'ai trouvé. J'avais oublié que j'avais ça. Cool. Ce sont tes parents? Un bien joli couple. Tu sais, tu ressembles beaucoup à ta mère. Ton regard. Thank you.
Thérèse. Je peux te poser une question. Tout ce que tu veux. Crois-tu qu'il existe des choses dans le monde, des choses situées au-delà de nos perceptions? Oui. Je crois que nous sommes entourés de choses que nous ne voyons pas. Des choses invisibles, jusqu'à ce qu'on se mette à les chercher. Carpe diem. Tu dois arrêter tout de suite. Je vais te tuer, espèce de salaud. Eh bien, Curtis. Bonjour, monsieur Warner. Que puis-je faire pour vous, mon garçon? Oh, rien, monsieur, je... Je cherchais un manuel Ward 8. Oh. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Je vais m'arranger pour que le service technique vous en envoie un tout de suite. Génial. Merci. Allô, Curtis Craig, oui. Salut, Curtis. Espèce de sale petit suceur de...
créature dépravée et cinglée. Je ne suis pas cinglé! Vraiment? Pourtant, ta mère l'était. Laura! Pas toujours! Tu as raison, elle n'a pas toujours été violente. Malade, psychotique, lunatique comme elle est devenue, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as rendue folle. Ce n'est pas vrai! J'avais seulement 6 ans! Oui, 6 ans. Un petit monstre qui a rendu sa pauvre mère folle et l'a conduite au suicide. Non! Monstre. Trevor. Hmm? Trevor. Quoi, quoi? Curtis, qu'est-ce qui se passe? Je... Ça ne tombe pas rond. Bon Dieu, je vois des choses... Hé, hey, Curtis. Écoute, ça va aller. Écoute, je... Allons prendre l'air une petite heure. Hein? Je vais envoyer le courrier à Tom, ça ne le dérangera pas, ok? Très bien. Très bien, mon pote. J'ai enfin réussi à te piéger. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oh, je ne sais pas. J'ai vu quelque chose, c'est tout. C'était sûrement le fruit de mon imagination. Il y avait une voix. Curtis, pour l'amour de Dieu, je suis ton meilleur ami. Tu sais que tu peux tout me raconter, non? Je sais. Tu te rappelles quand... Quand je t'ai dit que ma mère était devenue folle alliée et qu'elle m'avait abandonné avec mon père. Oui? C'était faux. Je veux dire, je croyais que c'était vrai. Jusqu'à il y a quelques jours. Je me rappelle qu'elle s'est pendue à un ventilateur. Oh mon Dieu! C'est dur! Je ne m'étonne plus de ton état de stress. Curtis, ne prends pas ça mal surtout, d'accord? Mais as-tu songé à voir un spécialiste pour en parler? Je veux dire, toutes ces choses à propos de ta mère, c'est plutôt difficile à porter en soi, tout seul. Oui, j'y ai songé un peu, Trevor, mais je préférerais mourir. Je préférerais mourir que de retourner là-bas. Mais personne ne te parle de te renvoyer là-bas. Juste d'aller rendre visite à un psy, ok? Oui, ok, je vais y réfléchir. Tu es le seul à qui j'ai parlé de ça jusqu'à présent. Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? Bien sûr que non, idiot. Tu te fous de moi ou quoi? Mon propre thérapeute m'a rendu si proche de la perfection que je ne révèle jamais les secrets, je ne mens jamais, et je n'ai même plus besoin de chier. Je sors simplement des pétales de rose de mon nombril. Écoute, j'ai une tonne de choses à faire au boulot. Plutôt qu'attendre de ne plus avoir d'énergie, je vais y aller maintenant. Oui, eh bien moi aussi, maintenant que j'y pense, alors... Que dirais-tu de changer de crèmerie tout de suite? Allons-y, Miss Kitty. Ouais. Au revoir.
Bob. J'ai retrouvé mon document. C'est une blague vraiment infantile. De quoi est-ce que tu parles, Craig? Ce n'est pas ma faute si tu ne retrouves pas tes fichiers. Ouais, c'est ça, t'as raison. Seulement ne recommence pas ou tu le regretteras. Oh, est-ce une menace? Tu me fais vraiment peur. Pauvre. Salut Thérèse, comment vas-tu? Je te veux. Pardon? Tu m'as entendu. Ne tourne pas autour du pot, Curtis. Je te trouve particulièrement séduisant. Écoute Thérèse, j'ai une petite amie. Je m'en moque complètement. Je ne veux pas de ton bel esprit. C'est toi que je veux. Je désire ta chair et ta sueur. Génial. C'est déjà l'heure de partir. Salut. Salut, mon ange. Alors, ce sera comme d'habitude aujourd'hui, monsieur et madame. Le jalapeño et sandwich au fromage grillé avec du miel pour lui et veggie burger pour elle. Tu sais, j'ai pas tellement faim. Non, moi non plus. Et pourquoi pas deux de tes célèbres doubles chocolats liégeois, n'est-ce pas? Ah, ça marche, patron. Alors, chérie, c'était comment ta journée? Oh, pas vraiment terrible. Merci. Curtis, j'aimerais être présente, toujours près de toi. J'aimerais t'aider quand tu ne te sens pas bien. Tu es si important pour moi. Tu es toujours là pour moi, Joss? Je sais, c'est... Je souhaiterais être présente tout le temps. C'est tout. Oh, regardez ces deux petits tourtereaux, ne sont-ils pas mignons? Max, parle un peu moins fort. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi essaies-tu de cacher cette adorable fille, Curtis? Enfin, si j'étais toi, je la suivrais partout avec un spot de lumière. Que se passe-t-il, Joss? Curtis... Je sais que quand on a commencé à sortir ensemble, nous avons dit que c'était juste pour le fun. Aucune promesse. Et j'étais d'accord aussi, je te l'assure. C'est que... Eh bien, parfois, les choses évoluent. Je t'aime, Curtis. Je veux pas sembler possessive ou jalouse, je veux simplement être près de toi. Je veux être près de toi, c'est tout. Hey. Joss, tu te souviens de la nuit où nous sommes allés au parc?
Ah bon Dieu, c'est si chaud. Et on avait apporté des croutons de pain rassis pour les donner aux canards. Ils sont tous venus nous voir. J'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de canards dans une seule mare. Et toi, tu les fuyais comme la peste. Oh, ils allaient me manger. Tu te rappelles ce qui s'est passé quand on s'en est débarrassé? Bien sûr, idiot. En parlant de manger, il faisait si chaud que ta peau était toute glissante. Alors nous avons trouvé ce coin sombre en dessous de cet arbre. Nous étions obligés d'arrêter de bouger dès que quelqu'un approchait trop. Et toi, tu gémissais de manière si sexy. Des plaintes, comme si tu n'en pouvais plus. Tue cette salope. Tue-la comme tu as tué ta propre mère. Curtis, tout va bien? Oui, je vais... Je suis désolé, Josh, Je me sens pas très bien, maintenant. Oh, mon bébé. Tu veux que je vienne chez toi, ce soir? Je m'occuperai de toi pour que tu ailles mieux. Ah, ouais. Oui, c'est une bonne idée. Allons voir ailleurs, tu veux? Comme tu voudras. Chance, Curtis. Si vous avez à nouveau des petits problèmes, appelez cette dame. C'est une des meilleures. Entre. En fait, pour une fois, j'ai fait le ménage dans l'appartement. Tu as acheté un aspirateur, maintenant? Je te remercie, c'est très gentil, Joss. Est-ce que tu veux que je t'aide à faire ton lit? Quoi? À quoi es-tu en train de penser? Devine. Thank you.
Dis au revoir à ton disque dur, espèce de con.